Merci de nous recevoir chez vous. Dans un instant, le sommaire de cette édition d'information. Plénière de l'Assemblée nationale de ce jour, elle a été consacrée à l'audition de la ministre de l'Enseignement primaire, de l'Alphabétisation, de la Promotion des langues nationales et de l'Instruction civique sur la vente à l'État nigérien des manuels scolaires d'instruction civique et morale à l'école CM1-CM2. Les femmes de la Fédération Matam Assoudoubara de la commune 1 à l'école de la bonne gouvernance, et cela grâce à APAC avec l'appui de Care International Niger. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition d'information. Les travaux de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2014 se poursuivent à l'Assemblée nationale dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale. C'est la ministre de l'Enseignement primaire, de l'Alphabétisation, de la Promotion de langue nationale et de l'Éducation civique qui a été convoquée ce matin pour question orale. Madame Ali Mariam Alhaj Ibrahim a été entendue relativement à la vente à l'État nigérien des manuels scolaires d'instruction civique et morale du niveau CM1-CM2 dont a fait cas un journal privé de la place, à savoir Le Courrier. Le compte-rendu de cette interpellation de la ministre Ali Mariam avec notre porteur Michel Léger. Il s'est agi pour l'honorable député Moussi Boubacar, à travers cette convocation, d'amener la ministre en charge de l'enseignement primaire à éclairer la représentation nationale et au-delà l'ensemble des Nigériens sur la procédure ayant abouti à l'acquisition de ces livres d'éducation civique et morale par son département ministériel. Nous avons été ici convoqués par le député Maître Moussi qui rapporte des écrits d'un journal de la place, en l'occurrence Le Courrier, et dans lesquels il fait cas de l'acquisition par le ministère et de ces livres-là, et selon une procédure gré à gré, et qu'on aurait attribué ce marché à mon époux. Donc nous sommes venus avec tous les documents à l'appui, les plans prévisionnels des marchés du ministère de 2011 jusqu'à 2014, dans lesquels il n'y a aucune inscription qui fait allusion à l'acquisition de ces manuels-là. Nous avons montré tous les documents et nous espérons que les députés sont convaincus. Et il est très possible d'aller vérifier sur le terrain, dans les écoles, si nous avons envoyé ces livres au niveau du ministère des Finances, s'il y a eu des engagements de ces marchés, au niveau de la DGI, si un tel marché a été enregistré. En tout cas, il y a toutes les possibilités. La loi, le code des marchés donne toutes les possibilités aux députés Moussi Boubacar d'aller vérifier si ces marchés ont été passés. Loin d'être persuadé, Maître Moussi soutient que l'acquisition de ces documents a été faite en violation de la Constitution, du code des marchés publics et du droit d'auteur. Ce même livre est un ministre encore qu'elle a reversé à son même ministère. Deuxième cas de fraude, c'est que le livre n'a pas respecté les procédures normales de marché public. Troisièmement, c'est que c'est une contrefaçon parce que le livre n'a pas respecté les normes élémentaires de droit d'auteur. Et pour que ça n'ait pas une diffusion large, vous avez bien compris qu'ils ont évité de faire une diffusion indirecte alors même que par la pratique, toutes les interpellations, toutes les activités de contrôle de l'action gouvernementale sont couvertes et transmises en direct. Ces manuels représentent-ils donc un don gracieusement offert ou sont-ils effectivement vendus à l'État du Niger comme le soutient l'opposition? Ce sont là les questions sur lesquelles la séance a été suspendue par le vice-président de l'Assemblée nationale qui a demandé à Maître Moussi d'apporter les preuves de l'achat de ces documents à la prochaine plénière s'il le désire. Restons à l'hémicycle. Depuis la fuite de son président Mamadou pour l'étranger, des informations circulent sur les possibilités de constatation de la vacance du poste. La dernière nouvelle, un groupe de députés de la majorité aurait saisi la Cour constitutionnelle pour trancher. Retrouvons Michel Léger. Pour le moment, rien n'est officiellement annoncé aux députés de l'opposition qui reste très préoccupé par la question. Oui, nous avons eu l'information sur RFI, je crois bien, qu'un
groupe de députés aurait déposé une requête au niveau de la Cour constitutionnelle pour constater la vacance du poste du président de l'Assemblée nationale. Vous savez, c'est une question qui est là, latente, et qui ne surprend guère. Mais ce que nous tenons à dire, que la Cour constitutionnelle, en tout cas de la lecture que nous faisons de la Constitution, la Cour constitutionnelle n'a pas compétence. Et actuellement, que dit la Constitution, il les teste par là. La Constitution est muette là-dessus. La seule procédure pour faire partie du président de l'Assemblée nationale, c'est la motion de défiance. Et cette motion de défiance, ils ont tenté, ils n'ont pas réussi. Maintenant qu'ils ont saisi la Cour constitutionnelle va se prononcer. Nous ne pouvons pas présager ce que la Cour constitutionnelle va dire. Nous ne pouvons que prendre acte de ce que la Cour... Et mais nous avons toujours dit que la Cour constitutionnelle a une obligation de dire le droit, rien que le droit. Du côté de la majorité parlementaire, on ne confirme pas encore une telle requête. Ce qu'il faudrait attendre très peu de temps, vous allez avoir la confirmation ou l'information. Si jamais ça ne tombe pas, ça veut dire que ce sont simplement des rumeurs. Mais personnellement, je ne suis pas au courant de ça, mais je sais que dans tous les cas, la procédure, elle est comme ça, elle est normale. C'est-à-dire que au moment où nous allons, en rapport avec le gouvernement, rassembler tous les éléments qui méritent que la requête soit posée, en ce moment, une requête effectivement va être adressée par l'Assemblée au niveau de la Cour constitutionnelle qui va statuer et constater éventuellement la vacance du poste du président de l'Assemblée nationale. Et en ce moment, comme les textes le disent, nous allons nous réunir de plein droit et remplacer le président sortant. Ça veut dire que l'intention y demeure? Ce n'est pas une question d'intention, c'est une question de procédure, c'est une question de droit. On ne peut pas rester, une institution aussi importante que l'Assemblée ne peut pas rester pendant tous ces mois-là sans avoir un responsable à son sommet. Et dès lors qu'il y a une procédure qui est enclenchée, c'est tout à fait normal d'aller à la fin de cette procédure. C'est le processus normal dans ce cas d'espèce. Absent du territoire national depuis le 27 août dernier, après avoir été soupçonné de complicité dans l'affaire dite de supposition d'enfant, Hamma Modou ne donne pas pour l'heure aucune impression d'un prompt retour au Belkaï, ce qui fait songer à un éventuel nouveau scénario à l'Assemblée nationale dont le déclenchement ne pourrait être favorisé que par la requête en question. Pour le constitutionnaliste Mena Boukar, les dispositions actuelles ne permettent pas de déclarer donc la vacance du poste président de l'Assemblée nationale. On l'écoute. Cette saisine va consister tout simplement à interpréter l'alinéa 5 de l'article 89, qui est un article très très ambigu et qui enchaîne tout le monde. Et l'article dit, en cas de vacance de la présidence de l'Assemblée nationale par décès, démission ou toute autre cause, l'Assemblée élit un nouveau président dans les 15 jours qui suivent la constatation de cette vacance-là, si elle est en session. Et si elle n'est pas en session, elle se réunit de plein droit et elle élit un nouveau président dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Donc nous ne sommes pas dans ce dernier cas, parce que l'Assemblée est en session en ce moment-là. Donc, elle est en session et quand on constate, il faut remplacer le président de l'Assemblée nationale dans les 15 jours. Mais comment constater? Il faut dire tout de suite qu'il n'existe pas dans la Constitution ou dans le règlement intérieur des règles relatives à la constatation de la vacance du poste du président de l'Assemblée nationale. Il est pratiquement impossible de constater la vacance maintenant. Pourquoi je le dis? D'abord, l'Assemblée nationale, ou du moins le bureau de l'Assemblée nationale, n'a pas une compétence de par la Constitution ou de par le règlement intérieur de l'Assemblée pour constater la vacance par un vote ou bien, je ne sais pas, par une délibération, une résolution quelconque. La Cour constitutionnelle, c'est la plus haute juridiction. Il y a beaucoup de cas où elle constate la vacance de la présidente de la République, par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais il n'y a aucun élément permettant de reconnaître à la Cour constitutionnelle la possibilité de dire « Moi, je constate la vacance à la présidence de l'Assemblée nationale et que par conséquent, les députés nationaux, l'Assemblée nationale, je te donne l'autorisation de procéder dans les 15 jours à l'élection d'un nouveau président de la République. » Alors là, je pense que nous sommes devant vraiment une situation assez curieuse.
Autre aspect de ce journal, après les attaques simultanées du 30 octobre dernier dans le département de Wallam par des bandits armés, une délégation de la Commission nationale des droits humains a effectué une mission d'investigation sur les lieux des attaques. Après des visites et des entretiens à Wallam et à Mangaisé, la Commission nationale des droits humains a publié hier une déclaration pour tirer les constats et les recommandations. Un extrait de la dite déclaration avec Dr. Talibi Hamid Moussa. Il est le rapporteur général de la Commission nationale des droits humains. Il ressort des différents échanges que les informations formelles et informelles ont fait état 48 heures avant d'une attaque imminente qui viserait le département de Wallam par des bandits armés en provenance du Mali. Malheureusement, en dépit des dispositions prises au niveau local et régional, les investigations menées par la CNDH ont fait état d'un loup blanc. Du côté des forces de défense et de sécurité, l'on déplore 10 morts, dont 4 à Mangaye, 5 à Zaroumaï Daré, 4 blessés évacués par voie aérienne sur Niamey, dont un qui a succombé au cours des soins. Du côté des Assiens, l'on dénombre 2 morts au poste du camp de réfugiés de Mangaisé et 2 bandits capturés par les FDS. Les assaillants ont également emporté des armes et munitions de la zone d'arrêt de Wallam, détruit un véhicule, 2 motos et emporté une quantité de vivres du camp des réfugiés. Du côté de la population civile, il y a eu 2 morts dans le village de Talagé, situé à quelques kilomètres de Tchouindi. Par ailleurs, un commerçant de Mangaisé s'est vu extorquer la somme de 5 600 000 francs CFA à son domicile par les bandits armés. Ainsi, conformément à l'article 21 de la loi 2012-44 du 24 août 2012 portant attribution, organisation et composition de la Commission nationale des droits humains, la CNDH fait les constats et formule les recommandations ci-après. Au titre des constats, 1. Une bonne collaboration de la population locale en matière d'information. 2. Une déviance dans la gestion de l'information et dans la chaîne de la hiérarchie. 3. Des attaques opérées simultanément à la maison d'arrêt de Wallam à Mangaisé, précisant le camp des réfugiés, et à Zaroumaï Daré. 4. La jeunesse des assaillants. 5. La porosité des frontières vers Mali. 6. L'existence de l'insécurité dans la zone Tillabéri. 7. Le retrait après l'attaque de contrôle du camp des réfugiés. 8. L'inexistence d'un mur de contrôle de la maison d'arrêt de Wallam et du tribunal d'instance de la dite localité. Au titre des recommandations, au regard du constat, la CNDH recommande 1. Une meilleure gestion des informations à tous les niveaux de la hiérarchie. 2. La formation des FDS en matière de lutte contre le terrorisme. 3. Le renforcement de la patrouille régionale et départementale au regard de l'insécurité persistante dans la région de Tillabéri. 4. Le renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité dans la zone. 5. La réinsertion socio-professionnelle des jeunes. 6. Le rétablissement du poste de contrôle au niveau du camp des réfugiés de Mangaisé. 7. La sécurisation des autorités judiciaires, en particulier dans les zones à risque. 8. La construction de murs de clôture de toutes les maisons d'arrêt qui n'en ont pas. Enfin, la Commission nationale des droits humains salue et félicite les populations de zones qui ont fait preuve de patriotisme, notamment en matière d'information. Elle encourage nos vaillantes forces de défense et de sécurité dans leur noble mission de sécurisation des personnes et de leurs biens. La CNDH demande à la communauté internationale d'accompagner les efforts du gouvernement nigérien dans sa lutte contre toute forme de violence attentatoire aux droits humains. Enfin,
La CNDH transmettra un rapport détaillé aux autorités gouvernementales pour dispositions urgentes et utiles à prendre. Je l'annonçais dans les titres, APAC Niger en collaboration avec CARE Niger forme les femmes de la fédération Mata Massoudbara du premier arrondissement communal de Niamey. Une formation axée sur le renforcement des capacités de ces femmes sur la bonne gouvernance. Précision avec Nasser Dantofo. Sensibiliser les femmes à la qualité d'une gouvernance et aussi de partager les bonnes pratiques susceptibles d'être transférées d'un pôle à un autre. Telles sont les thématiques qui seront débattues au cours de cette journée initiée par la Fédération Mata Massoudbara du premier arrondissement. Cette session de formation qui se déroula en langue nationale a donc pour principal objectif de sensibiliser les femmes à la qualité d'une gouvernance et aussi de partager les bonnes pratiques susceptibles d'être transférées d'un pôle à un autre. Vous allez donc, durant cette journée, échanger sur un thème d'actualité, la bonne gouvernance. Une journée peut paraître insuffisante pour une thématique de cette importance, direz-vous, certes, mais à nos yeux, elle suffira pour observer, pour analyser et enfin pour tirer les enseignements du fonctionnement d'un système de bonne gouvernance. Au vu de la configuration de l'équipe formatrice et participante, je demeure confiante que cette rencontre sera bénéfique pour toutes. Elle nous permettra certainement d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Un choix de thème salué par la présidente régionale Mata Massoudbara et le maire du premier arrondissement. La bonne gouvernance, c'est un thème d'actualité, c'est un thème qui ne finit pas. Hein. Donc, je pense que dans toutes choses, même dans la famille, il nous faut une bonne gouvernance. Cela permettra d'éduquer nos enfants correctement. Cela permettra de dépenser nos salaires dans des bonnes conditions. Et je pense que le renforcement de capacité que vous allez avoir aujourd'hui, nous souhaitons que ça vous permette d'élaborer des plans d'action que vous pouvez soumettre en plus de CARE à d'autres partenaires. Voilà pourquoi la fédération doit être dynamique. Donc c'est pourquoi je vous demande vraiment de prêter une oreille attentive, d'être assidu, d'oublier un peu les foyers, les trucs et de rester passer la journée ici pour apprendre. Une session de formation que les femmes Mata Massoudbara du premier arrondissement doivent mettre à profit pour tirer les enseignements du fonctionnement d'un système de bonne gouvernance. Après la sortie médiatique de la section de l'Union des étudiants des instituts et écoles professionnelles et techniques du Niger et la section lycée et collège par rapport à la gestion du comité directeur, la réaction du CD est tombée cet après-midi et c'est à travers son secrétaire général adjoint, M. Bafadé Adam. Ces derniers temps, nous avions constaté certaines agitations au niveau de nos sections, particulièrement celle de la section collège et lycée de la région de Niamey et celle des écoles professionnelles. Mais il y a lieu de dire qu'ici, ce n'est pas la section en tant que telle, c'est des individus, nous l'avons dit, en service commandé. Nous allons les observer, nous allons revenir sur ça, mais est-il dit qu'il faut dire que des gens ou des camarades ne peuvent pas se permettre de dire qu'ils ont suspendu des membres du comité directeur ou bien le secrétaire général qui a été élu à la base de 59 sections au dernier congrès. Et nous l'avions dit, même s'il faut faire quitter un comité directeur, il faut avoir les deux tiers. Les deux tiers des 59 sections, vous imaginez ce que ça fait. C'est des camarades en service commandé parce que tout simplement nous sommes dans un mouvement. Nous nous sommes lancés dans ce mouvement pour défendre les intérêts matériels et moraux de nos camarades et nous allons nous inscrire dans cette logique. Il vous souviendra, pour le cas de la section collège-lycée, ils ont fait une réunion où ils ont suspendu leur secrétaire général par ordre parce que l'adjoint qui devrait assurer l'intérim a été suspendu par la section LM. Donc 6 ont signé et le comité directeur a juste pris acte de la décision que les camarades de la section ont eu à prendre. Et c'était dans ce sens que ce camarade, il était le seul, hier je vous dis, qui avait assisté à la déclaration et il n'avait aucune qualité de parler
au nom de la section des écoles professionnelles. L'autre secrétaire général de la section des écoles professionnelles, avec certaines de ses acolytes, et il avait comme mission, en tout cas, la liquidation et ou la récupération des cadres, ce que le CD a compris, à travers non seulement le non-respect du mot d'ordre de 72 heures qu'il avait fait, et il a pris sa responsabilité de suspendre ce camarade parce que la logique dans laquelle il est en train de se donner, ce n'est pas une logique qui est conforme à nos textes et à nos idéaux. Justement, sur cette affaire, au niveau de l'Union des scolaires nigériens, ce communiqué de presse conjoint des membres de la section collégienne et lycéenne de la région de Niamey et ceux de la section de l'UEIPTN de Niamey. Ce communiqué de presse donc qui annonce que les membres de la section lycée et collège et UEIPTN de Niamey, nous sommes réaffirmons donc notre engagement et notre détermination au comité, aux côtés du comité directeur de l'USN, du camarade Anas Jibrila, sur la lutte engagée. Deux, prenant acte du départ de nos deux anciens secrétaires généraux et celui de l'IEIEPTN et collège et lycée. Appelons donc à toutes nos sections et à rester sereines et mobilisés pour d'éventuels mots d'ordre. C'était donc un extrait de ce communiqué de presse conjoint des membres de la section collégienne et lycéenne de la région de Niamey, et affaire donc à suivre. Le bureau exécutif national du syndicat national des conducteurs de taxis, Synco Taxi, a rendu public cet après-midi une déclaration. Au centre de cette déclaration, les problèmes que rencontrent les conducteurs de taxis, tête rouge et les faba-faba, les problèmes liés au paiement de la prime d'assurance, la patente, les redevances de la Caisse nationale de sécurité sociale, la vignette, le numéro portière et les frais de visite technique. Un extrait de cette déclaration lu par Mamadou Gamadji, il est secrétaire général du Synco Taxi. Il est comptabilisé dans la ville de Niamey environ 5000 taxis têtes rouges, sans compter les faba-faba et les autres types de transports. C'est donc chaque jour au moins 5000 chefs de famille qui sillonnent la ville de Niamey pour nourrir 5000 ménages. C'est aussi 5000 versements d'un montant d'au moins 7000 qui seront effectués à la fin de chaque journée, soit 35 millions de francs CFA. Ces 5 000 conducteurs prenant en moyenne 15 000 francs de carburant. Cela fait encaisser un encaissement net de 75 millions au moins de francs CFA aux gérants des stations de service. À côté de cela s'ajoutent les retombées financières pour les bénéficiaires indirects, parmi lesquels il faut citer les aides taximan qu'on appelle communément la camionnette, les convoyeurs, les garagistes, les lavagistes, les compagnies d'assurance, la DGI pour les patentes et les vignettes, les centres techniques, centres de visite technique, la ville de Niamey qui encaisse 4500 francs par taxi et par mois, soit 22 500 000 par mois. L'établissement trimestriel du permis de taxi provisoire à chaque conducteur qui rapporte environ 2 500 000 francs à la ville de Niamey. Il y a aussi la Caisse nationale de sécurité sociale à qui il est versé plus de 25 000 francs par trimestre et par chauffeur, soit une moyenne, soit quelque 125 millions de francs CFA. Le 28 novembre 2014, notre pays fêtera son troisième anniversaire dans le cadre de l'exportation du pétrole Made in Niger. À cette occasion, je profite pour lancer un appel à l'endroit de l'ensemble des camarades et de l'ensemble de la population de Niamey de sortir massivement pour participer à la marche suivie du meeting afin de dénoncer la mafia et l'opacité qui caractérisent la gestion patrimoniale de notre or noir nigérien. Du sport, pour clôturer cette édition d'information, lancement cet après-midi sur les installations du stade de l'Université de Niamey d'un tournoi féminin de football, un tournoi qui vise à détecter des jeunes talents pour la mise en place de l'équipe féminine de Niamey qui représentera la dite région à la fête tournante du 18 décembre à Dosso. Le compte rendu de Nasser Ntofo.
Ce sont au total 4 équipes féminines engagées dans ce tournoi. La première rencontre a opposé l'Alliance de la Commune 5 à la NPSF de Yantala. Et la deuxième, c'est un face-à-face entre Acha Academy et l'AS Police. Ce tournoi est organisé en vue de mettre en place une équipe régionale qui va représenter Niamey à la fête tournante du 18 décembre à Dosso. C'est un prélude à ce tournoi que nous allons essayer au niveau de la Ligue régionale de football de mettre la sélection régionale féminine qui doit représenter la région de Niamey. Donc c'est dans ce cadre que nous sommes en train d'organiser ce petit tournoi. Donc qui va prendre 2 jours. Aujourd'hui nous allons essayer de sortir les 11 meilleures joueuses d'aujourd'hui et demain 11 autres. Donc en effet nous aurons une présélection si vous voulez de 22 joueurs. Et 2 entraîneurs seront nommés parmi vos encadreurs bien sûr et qui vont accompagner cette équipe-là en tout cas à Ardosso. Un tournoi organisé à la grande satisfaction des coachs de différentes sélections. L'initiative, elle est à saluer, elle est louable. Maintenant, le match est là. Et on va sélectionner les meilleurs et c'est les meilleurs qui vont partir. Pourvu que Niamey dispose d'une équipe. Mais nous, dans la promotion des sports féminins ou football en particulier, notre objectif, c'est qu'ils n'allaient pas avoir la sélection ici. On peut les orienter dans d'autres régions, dont notamment Tillabéri déjà et Dosso. Et on peut les augmenter parce que c'est ça notre ambition, c'est ça notre objectif. Ce n'était pas de concentrer, avoir fait de ça un truc vraiment pour gagner tout de suite. Non, c'est juste d'abord servir. Il faut servir dans un premier temps et maintenant après les choses viennent. C'est assez bon pour le moment, puisque c'est pour la première fois qu'on est en train de faire une présélection au niveau des filles pour représenter Ardosso le 18 décembre. 6 rencontres sont prévues et 22 meilleures joueuses de ces 4 sélections constitueront l'ossature de l'équipe de Niamey. Fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à tous. Bonsoir.